On est à la 10e édition du tournoi de balle des rues de Saint-Esprit. Exactement. Tu peux nous expliquer comment ça a parti et comment ça, la dynamique de tout ça? Au départ, la formule n'était pas la même. C'était un tournoi de famille. Parce qu'à Saint-Esprit, il y a beaucoup de grosses familles. Mm-hmm. Puis avec les années, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient jouer, qui n'avaient pas assez de familles pour faire former un club. Donc, on a changé la formule pour le tournoi de balle de rue. Fait que comme ça, on clore notre saison. Ça nous permet de connaître tous les nouveaux arrivants qui sont arrivés pendant l'été. Ça fait une activité qui est fun pour tout le monde. Ben oui, puis bon, mais aujourd'hui, vous aviez 8 équipes, je crois. Oui, 8 équipes. C'est quand même bon pour un petit village comme Saint-Esprit. Un petit village comme Saint-Esprit, oui. C'est sûr qu'il y a des rues qui ne peuvent pas se faire d'équipe, donc on est obligé de regrouper plusieurs rues ensemble, mais on finit quand même à avoir toujours une moyenne de 8 équipes. Puis chaque équipe doit comporter le certain nombre de joueurs. Dans chaque équipe, il faut être un jeune qui a en bas de 14 ans, il faut être deux femmes, puis un homme au-dessus de 50 ans. Ou une femme. En autant que c'est en haut de 50 ans. Et voilà. Fait que pas de discrimination. Pas du tout. Comme ça, on fait jouer tout le monde. C'est le fun parce que tu peux faire jouer des jeunes avec des plus vieux que normalement, ils joueraient peut-être même pas à balle. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment une activité familiale. C'est vraiment, ben bravo. C'est vraiment le fun comme activité. Bien, merci. Les deux champions, c'était le discuteur de l'équipe du tournoi de balle de rue Montcalm. Bravo! Un grand merci à tous les responsables d'équipe, aux assistants et à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition 2015. À la prochaine! C'est bon, gars.